Genèse, chapitre 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, son visage fut abattu, et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Hénoc. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Hénoc. Hénoc engendra Irad, Irad engendra Méhujaël, Méhujaël engendra Métushaël, et Métushaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes, le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre Tsilla. Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsilla, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn, « Ada et Tsilla, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. » Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. « Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. » Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel.